Le team Monster Motors qui est venu nous rejoindre sur le rallye des Cimes. On va raconter un petit peu cette belle aventure. Il y a une page Facebook, il y a aussi un site sur lequel on peut retrouver l'ensemble de vos photos et de vos vidéos. Oui, tout à fait. Donc, principalement notre page Facebook Team Monster Motors, où on essaye de réaliser un maximum de live direct pendant les rallyes. Donc, après, ça dépend souvent de la connexion Internet. Hein. On sait que malheureusement, les réseaux, par moment, ça ne passe pas. Mais par ailleurs aussi, mon équipe, on a aussi. Donc, moi, je fais principalement de la photo. Et aussi mes caméramans, tout ça, qui essayent de faire un maximum de vidéos afin de faire des jolis best-of pour tous les passionnés et puis divulguer un peu notre belle passion du tout-terrain. Alors le tout-terrain, justement, vous êtes impliqué, vous, du côté du Gâtinais, c'est ça? Ouais, plus du côté de Soissons, du Jean de la Fontaine, mais on est basé dans le nord. Donc on essaye de faire majoritairement le rallye du Gâtinais, le Jean de la Fontaine, où on fait partie de l'organisation. Après, c'est la première fois qu'on descend en cime, grâce à beaucoup, énormément à Daniel Lemarié surtout, qui, grâce à toutes ces anecdotes, nous a aidé à descendre. Il y a aussi Royan, Dunay-Marais, et puis les Sept Vallées, et puis pour finir à la fin de saison, le Plaine-et-Vallée. Si des pilotes ont envie de récupérer quelques images de leur passage ou quelques photos, c'est possible? Ah oui, tout à fait, c'est possible. Toutes les photos sont publiées soit en album sur Facebook ou soit sur notre site internet Team Monster Motors, qu'on retrouve sur Google, il n'y a pas de souci. Et puis souvent, on essaye d'envoyer des photos aux pilotes gracieusement, comme ça, juste pour le plaisir. Et puis juste avec un merci, ça nous suffit amplement. On est heureux, on est passionné, donc c'est le principal. Merci à vous. Merci beaucoup à vous.